Salut à tous, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 9 de la carrière de manager avec Lyon. Au programme de la vidéo, un premier match contre Troyes à domicile, un derby contre Saint-Étienne à l'extérieur, un match contre Marseille en championnat et un dernier match de championnat contre Bastia. Donc 4 matchs en championnat à jouer dans cette vidéo. Donc 2 gros matchs, un derby et un match contre Marseille. Nous sommes en plein mercato et on va tenter de signer une première recrue, Alisson, un très très bon gardien de 23 ans. Et on va lui proposer un pré-contrat. Donc, s'il accepte, il nous rejoindra en fin de saison. Ça peut être une très bonne recrue. Et donc, premier match contre Troyes à domicile. On met l'équipe une avec Lacazette et Beauvue en attaque. On peut voir que le Paris Saint-Germain est devant nous avec le même nombre de points, mais qu'on a joué un match de moins qu'eux. Une victoire nous ferait donc repasser premier. Mais la première occasion est pour les Troyens avec Pereira qui frappe. C'est à côté. On tente de réagir dans la foulée avec Darder qui fait un bon pressing. Le défenseur passe la balle au goal. Et là, le bug du jeu qui nous fait ouvrir le score. Le gardien qui ne parvient pas à contrôler la balle. Un but vraiment pourri à la 9e minute. 1-0. Mais on va tenter de marquer des beaux buts nous-mêmes. Lacazette sur le côté gauche réussit un très beau dribble. Passe la balle à Valbuena qui frappe. Il était dans un trop mauvais angle pour espérer quelque chose. Une nouvelle fois, Lacazette ici qui obtient une faute. On a un coup franc. Et on va le jouer rapidement avec Valbuena. Une nouvelle fois, le tir cette fois-ci est très bien arrêté par le gardien. Ça tape le poteau. Et après, un joueur arrive et frappe. Ça passe à côté. Sur corner, la balle revient sur Fofana à la 44e minute. La frappe est splendide. Le 2-0, juste avant la mi-temps. But de notre milieu de terrain. Une très belle frappe, tout en puissance, qui rentre dans le petit filet. Le gardien qui a été surpris et gêné par ses défenseurs. Fin du match. Victoire 2-0, un but contre son camp de leur gardien. Et un très beau but de Gaëlle Fofana qui est nommé homme du match avec une bonne note de 8,4. Dans la précédente vidéo, on avait proposé 2,5 millions plus Christophe Jallet pour Aïssa Mendy. Et donc Reims a accepté, on propose un contrat de 80 000 euros pour 3 ans. Alisson a accepté notre offre de pré-contrat et on signe notre première recrue qui arrivera par contre en fin de saison. Un très bon gardien pour suppléer Anthony Lopez, 80 000 euros de salaire. Nkoulou a aussi accepté le pré-contrat et il arrivera en fin de saison avec Alisson, 100 000 euros de salaire pour ce très bon défenseur de 25 ans. Et on va voir aussi que Aïssa Mendy accepte son contrat, 3 recrues d'un coup pour notre équipe. 2,5 millions plus Christophe Jallet pour le très bon défenseur droit de Reims, 24 ans. Le prochain match est un derby contre Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Un match compliqué nous attend et la première occasion est stéphanoise avec Amouma qui frappe. Mais très bon arrêt de Lopez qui ne se laisse pas surprendre. Une nouvelle occasion pour les Stéphanois avec cette tête de Berić qui passe juste à côté du petit filet. On se fait surprendre dans ce début de match. Mais on va réagir à la 25e minute avec Valbuena et une bonne frappe claquée par Ruffier en corner. Lacazette à la 34e minute de jeu frappe de loin, ça passe à côté. Et à la 90e minute de jeu, alors que nous sommes dans le temps additionnel, Essérick réussit son centre pour Nolan Roux qui marque. 1-0 pour les Stéphanois. Un but qui va nous faire perdre le match et un but difficile à accepter qui est marqué dans les dernières secondes du match. Défaite 1-0 contre Saint-Étienne. Match très équilibré, 6 tirs des deux côtés. Aïssa Mendy accepte son contrat et on le fait donc signer pour 2,5 millions plus Jallet. Troisième recrue de notre côté. On va vendre Luca Moscio, un jeune gardien. On obtient donc 100 000 euros sur la vente. Prochain match en Coupe de France contre Marseille. Le match de championnat qui était contre Marseille aussi a été remplacé. C'est parti pour le match. Thank you.
Fin du match, victoire très compliquée contre Marseille au pénalty. L'homme du match est Mathieu Valbuena, l'ancien Marseillais, 7,7 de note. On a largement dominé le match et pourtant, on a galéré à gagner 16 tirs contre 4. On va ensuite vendre un autre de nos gardiens, Mathieu Gorgelin, pour 230 000 euros. Prochain et dernier match de la vidéo contre Bastia. On fait un peu tourner l'équipe avec Gabriel en attaque. On a descendu Fekir en MOC. Grimaldo et Bizevac sont titulaires. Et on peut aussi noter la titularisation de Aïssa Mandi, notre nouveau joueur arrivé fraîchement de Reims. C'est parti pour le match. Fin du match, très belle victoire, 4-0, match largement dominé, 14 tirs contre 2. Très bon match de nos joueurs, Claudio Beauvu a une très bonne note de 8,1. Toute notre équipe a été bonne dans l'ensemble. Mendy, notre nouveau joueur, à 6,9. But de Gabriel, doublé de Beauvu. On a touché pas mal de fois les poteaux dans ce match. Passe décisive de Fofana. Leur gardien a mis un but contre son camp, même si moi je compterais plutôt le coup franc pour Fekir. Belle victoire, 4-0. Nous ne sommes pas le seul club à acheter des joueurs gratuitement en fin de contrat. Angers a recruté Malbran, qu'il partira donc en fin de saison. De toute façon, je comptais plus trop l'utiliser, sachant qu'il se fait très vieux et que son niveau a bien baissé. Bakary Koné va lui aussi partir à Montpellier. Une bonne opération pour Montpellier, qui obtient tout de même un joueur assez bon. Et je pense qu'il aura plus de temps de jeu à Montpellier que chez nous. Et donc voilà le résumé de notre mercato. On a fait venir Mandy pour 2,5 millions plus Jallet. On a eu Alisson et Nkoulou en pré-contrat. On a vendu deux gardiens, Gorgelin et Mossio. Malbranque et Koné ont signé des pré-contrats dans d'autres clubs. Et on a réussi à prêter Lucas Toussard, notre jeune milieu de terrain. Et donc, une mauvaise nouvelle à la fin du mercato. Jérémy Morel s'est blessé à l'entraînement. Et il sera indisponible pendant 6 semaines, donc une assez longue durée. Après, ça va en défense. On a pas mal de joueurs qui peuvent reprendre son poste. Et de toute façon, c'était pas un titulaire indiscutable. On va aller faire un rapport d'équipe. Au but, Anthony Lopez, très bon gardien, une bonne note et il fait des bons matchs. On voit qu'il a des bonnes statistiques. Au poste de défenseur droit, Raphaël qui fait aussi des bons matchs. Mais il faut que tu fasses gaffe parce que maintenant qu'on a Mandy, on pourra le mettre sur le banc s'il fait des mauvaises performances. En défense centrale, Mbiwa, très solide avec Umtiti. 21 matchs et une note moyenne de 6,7. Umtiti qui a joué un peu plus que son partenaire mais qui a la même note moyenne. 24 matchs et un but. 80 de général à 22 ans, un excellent joueur avec des très bonnes stats. Notamment en défense 92. Henri Bédimo qui commence à baisser. Il arrive à la fin de sa carrière. 31 ans, 76 de général. Mais il est tout de même très bon. 6,5 de note. Une passe décisive en 20 matchs pour l'ancien Montpellierin. Guedes Fofana qui m'impressionne de plus en plus. 19 matchs, 4 buts, 3 passes décisives et une note moyenne de 6,8 pour le joueur de 24 ans. Il commence à se faire une place de titulaire dans l'équipe. Franchement, il m'a beaucoup impressionné. On voit qu'il a des statistiques assez bonnes. 76 de général. Sergi Darder, 22 ans,
qui est arrivé de Malaga au mercato précédent. 23 matchs, 4 buts, 2 passes décisives et une note moyenne de 6,4. On voit qu'il a marqué notamment 3 buts en Ligue des Champions en 5 matchs. Tolisso qui me déçoit un petit peu pour son niveau. Je m'attendais un peu mieux. J'espère qu'il va faire des meilleures performances. Tout de même, 4 passes décisives et une note moyenne de 6,3. Mathieu Valbuena qui est très bon à 31 ans, 24 matchs, 6 buts. Et on voit qu'il commence à perdre un peu de notes en physique. En attaque, Claudio Beauvu est excellent. 80 de général à 27 ans. On voit qu'il a pris 1 plus 1. Il est très rapide et il est bon en tête. 25 matchs, 13 buts et 2 passes décisives et une note moyenne de 7. Donc d'excellentes performances pour notre attaquant. Lacazette, 21 matchs, 8 buts, 3 passes décisives et une note moyenne de 6,9. Donc très bon aussi. 84 de général à 24 ans, une très bonne valeur de 25 millions. Mais bon, de toute façon, je compte pas le vendre. Hakim Nouri qui est bon aussi pour son âge, 18 ans, 68 de général. Et on voit qu'il a déjà marqué 2 buts. Il augmente bien. Il est arrivé de l'Ajax pour 4 millions. Jérémy Morel qui a perdu 1 de général. Il est arrivé de Marseille gratuitement et a joué seulement 6 matchs. Et il s'est blessé donc en fin de vidéo. Nabil Fekir, 79 de général à 22 ans, a joué 25 matchs. On voit qu'il augmente un petit peu. 3 buts, 3 passes décisives. Gabriel est aussi très bon. 6,5 de notes, 3 buts pour le joueur de 19 ans. Jordan Ferry a joué 12 matchs et a fait 2 passes décisives à 23 ans. Paul Nardi, le joueur prêté par Monaco, n'est pas excellent. Hein. Il n'a joué que 2 matchs. Clément Grenier, 22 matchs, 2 buts, 2 passes décisives à 25 ans et aussi bon. 78 de général. Maxwell Cornet est très très bon. 4 buts en 13 matchs pour le joueur de 19 ans qui n'a que 69 de général. Et on voit qu'il augmente beaucoup. Zachary Labitti a joué une seule fois et une note de 6,5. Grimaldo est bon, il est prêté par le Barça, 71 de général. Kylian Mbouboni n'a pas joué, Mourpay non plus. Aissa Mendy vient d'arriver et on voit qu'il avait joué 20 matchs avec Reims. Et on voit qu'il augmente un petit peu. Lindsay Rose a joué 10 matchs avec nous, 6,5 de notes. Maxime Gonalon, le capitaine, 27 matchs, 2 buts, 2 passes décisives et note moyenne de 6,9 est très bon. 82 de général à 26 ans, Bakary Koné n'a pas joué beaucoup et il va signer donc à Montpellier à l'expiration de son contrat, 3 matchs seulement et note moyenne de 6,5. Bizevac se fait vieux et son contrat se termine bientôt, 11 matchs joués, 6,2 de notes. Le contrat de Mbemba se termine aussi bientôt, seulement 6 matchs joués pour le milieu de terrain. Malbranck n'a joué qu'un match et va donc signer à Angers. Lucas Toussard a été prêté et il a déjà pris 1 plus 2 à 19 ans. Nguini était prêté depuis le début de saison. Pareil pour Diakabi qui a pris 1 plus 3. Kalou a pris 1 plus 2. Olivier Kemen a pris 1 plus 4 à 19 ans. On voit qu'il a beaucoup augmenté. Dans cette vidéo, on aura joué 4 matchs. Un match contre Bastia, victoire 4-0. Une victoire difficile contre Marseille en Coupe de France. Une défaite dans le derby 1-0 à Saint-Etienne. Et une victoire contre les Stags de Troyes dans le premier match de la vidéo 2-0. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, on aura un match contre Toulouse en 8e de finale, 2 Coupes de France, un match contre Angers en championnat, un match contre Marseille pour finir la vidéo. Merci d'avoir regardé, salut!